et gouvernement a fait les mouns qui te mettent à réel yo deal qu'on y a au fond gouvernement. Et pour chef police là, André Michel compte ça très bien. Donc c'est pas Ariel Henry qui a un privilège pour changer chef police là. Si vous le changez, l'a changé de concert avec le corps groupe, avec la communauté internationale, notamment l'ambassade américaine. Bonsoir Gary. Bonsoir Marco. Bonsoir tout le monde. Nous bien contents de la jodia. Et nous croyons que Marco dit extrêmement important. C'est André Michel a mis pression parce qu'en fait, il a remarqué que si on a encore à quoi pour Coca est implémenté. L'idée de le révoquer ministre justice là à commissaire gouvernement, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. C'est pas André Michel qui t'a révoqué, c'est un contentieux que tu as gagné entre premier ministre Ariel Henry avec ministre justice là parce que soit fait accusation sur la mort Jovenel là et que premier ministre là tranché sur question ça parce qu'en plus le monde a un gros débat que tu as fait. Maintenant, il m'a dit pour retirer, changer gouverneur et directeur général de la police nationale qui c'est Léon Charles. Donc, ou qu'a toujours demandé, mais l'Ubérus montrait clairement, même Jovenel qui était président élu, il n'a pas même qu'à choisir directeur général. Donc il est toujours en accord avec l'ambassade américaine. Donc on va retrouver probablement André Michel dans les rues du Port-au-Prince, dans l'opposition, si rien ne fait d'ici 1er novembre, et de là, le SAR, André Michel. Et avec l'équipe libre, Praldi, il y a eu information que c'est Ariel vraiment tué Jovenel. Parce qu'on n'est pas derrière Jovenel là, pas avec Ariel là, il n'y a pas dit rien. Mais quand on est en opposition face à elle, le ça, il a fait même genre, il a fait pour Jovenel là. Donc c'est comme ça peut y aller. Et il va retrouver peut-être l'équipe de la commission. L'équipe commission, pas pour se voir au même genre. Et il y a même pour la bataille. Et nous parlons, ouais. Il n'y a pas choisi peut-être tout une vira et peut-être il est capable cette fois-ci de choisir Joe Lambert comme président ou bien Wilson Jeudi comme président. Parce que c'est côté de gloire que les pifrias, la politique c'est là, n'est toujours voulu aller parce qu'ils veulent toujours l'assiette au beurre, le pouvoir et ses avantages quand l'autre la contient. Donc, et moi saluer tout le monde, Michel Bennett, moi Stanley Bokola, nous avons des nouvelles, nous avons des informations pour nous bailler Stanley, Mel Bokola, mais nous avons dit Mounio, m'a préparé une émission, parce que moi, Mounio, pas voulu dire des bagages qui passaient. Évitez-moi de parler en pile, même si vous voulez une information, pas une information, annoncer Mounio que nous sommes dossier. Dossier fait là, c'est extrêmement important. Pasteur, que vous enlevé dans l'église là, dans Delmar. 18h50, Marco, c'est ça? Toute famille Ferrer au courant que Ferrer a eu une relation avec une dame et Damza lui marié à Koumoun dans le gouvernement. Tout le monde connaît. Nous tellement peu. On attend toujours Gary Pepochal, un Marco ou un Auguste de Bézard qui est mon invité. Il y a tout à courir, mais. C'est le même gouvernement ça qui fait prendre. Yo une bable balé. Donc, je n'ai pas encore des formations précises, mais ça a une relation, famille qu'on aime, mais ça. Mais pour ne pas citer nos monde, non. Mais tout le monde connaît de qui est ça parle, puisque il y a des relations là longtemps. Hein? Et en plus, le monde fait connaître que c'est monsieur qui vient de gros point qu'on a, qui a une grosse force. En pile de ravel, et qui prend Ferrer. C'est rumeur que lié. Mais relation par rumeur. Relation, la famille connaît. Madame Ferrer connaît. Petite Ferrer connaît. Zami Ferrer connaît. Fidèle à la Guisa connaît. Maria connaît. Ferrer connaît. Donc, n'a pas tant pour nous avoir inquiété. Mais sous l'autre information que vous avez de Mounsa, m'a bien articulé, bien mis sous papier, m'a bien dit. Parce que je t'ai dit c'est pour Moïse lié. Et j'ai eu des discussions avec Marco sur cette question. Évidemment, Marco, c'est vrai, c'était pour Moïse. Au départ, qu'il était. Au départ. Mais il quittait Moïse, il a joué un Jovenel. Moïse. Les Jovenel embarrassés à elle pour détournement de fonds. Pour l'argent que l'a détourné dans le parc Caracol.
Jovial obligé monte en commission pour aller retirer monsieur. Et c'est monsieur qui fait office Josia de pouvoir solide à côté de Ariel. C'est une façon de saluer Auguste Demézard. Gougous, bonsoir. L'information, par contre, dormi dans ce coup. Non. Moi-même, je m'abattends à l'invitation parce que Gary est habitué à chaque période où situation anti-gens particulière. Barque nationale là, en péril. Il est pour essayer de faire le point. Bon, ça veut dire que il y a un intérêt à écouter. Et pour me commencer tout de suite pour une émission en ton. M'a dit bonsoir à Haïti et aux territoires occupés. Aux îles adjacentes et aux territoires occupés. C'est-à-dire quoi? Oh. Ça veut dire qui ça? Au Calmatissant. Il y a Haïti et il y a les territoires qui ne font plus partie du territoire haïtien. Tout à fait. Est-ce que ce sont des îlots de paix? Est-ce que ce sont des îlots de développement? Mais qu'on certitude, 99,9% haïtiens, pas gain liberté de déplacement yo sous 27 750 km2. Ça, encore, point boule. Et ces territoires sont occupés. On me parle de banditisme, foutaise. Heureusement, il y a deux personnes qui ont eu le courage de le dire. C'est Yuri La Tortue et Léon Charles Diltou. Problème d'Abvivlan, c'est un problème de cette police, son problème de force armée. Depuis le 12, son problème de force armée, nous quittons banditisme dans les... Mais qui s'en est? Nous sommes dans une forme de terrorisme. Pendant longtemps, nous vivons en terrorisme d'État. Où l'État, le gouvernement, en terrorisme gouvernemental, où les membres du gouvernement avaient le contrôle des guns. Nous devons vivre en terrorisme du secteur économique, où certains membres du secteur économique avaient le contrôle de certains guns, appelés de manière gentille agents de développement. Ils ont été contrôlés, ils ont été payés. Mais l'histoire l'a prouvé. Des fois, après une macaque, vous voyez Roche, la cassé tête. Néglement, mettez le nom position, les gon pouvoir, avec un morceau phénomène. Les gon droit de vie ou de mort, ou passer l'ordre à le printemps, le monde, les gon yon by cob, les gon pour qui ça coulien, pour le bavino entrepreneur indépendant. Monsieur Coulien, bon bandit, son entreprise, les gon, l'abjiré. Donc, il est devenu indépendant, donc il pose les actes qui sont convenus. Il va mettre un col, il va mettre un ces hommes et ces femmes qui contrôlent ces territoires, n'ont plus de patron. Ils sont chefs tête, yo. Ils ont des troupes, yo. Ils ont des employés. Ils ont une hiérarchie en des troupes-là. Il y a les simples soldats, il y a sac fait de vini, il y a sac de pistolets. Et on fait recrutement. Et on fait recrutement en permanence. Il y a sac de 12, il y a sac de FAL, il y a sac de M30. Il y a ça qui est M50, il y a ça qui est casque, il y a ça qui est gilet babal. Il y a un formateur, ensuite il y a un sniper. C'est clair, même quoi c'est site l'on te dit. Faites attention, dans chaque côté où on station camionnette ou on station moto, il y a un formateur. Exact. Moi-même, cette nouvelle, l'ordinateur m'a fait frémir. Alors, nous pas qu'à nous en faire coulir de simple banditisme. Non, je crois que avec émission, on t'a fait le 18 là, sur le fameux pont rouge qui est devenu, je ne sais pas quel pont, le pont de la honte. Mais comme nous avons perdu même la honte, c'est le pont des 100 sentiments. C'est mon cher Kébo qui t'a dit, nous avons perdu même la honte. Donc ça veut dire 100 sentiments, pas aucun sentiment. Le dernier sentiment que l'homme perd en général, c'est la honte. Parce que moun n'a pas qu'à vivre sans vergogne. Il n'a pas qu'à vivre like this, like that. Il faut un sentiment de honte. Donc, secteur privé, hein, pas contre les gagnants, quoi. Et au peuple. Secteur politique, là, pas contre les gagnants, encore. Parce que youn ou l'autre payé, gagnant fait ça le blé. Et d'ailleurs, malgré cette tentative de fédération qui était une farce, les gangs n'ont jamais été fédérés. Vraiment? Ah non, pas qu'on gagne qui a accepté le gamatron. Car il y a plusieurs chefs. Car il y a plusieurs chefs, chaque chef de la Koula Kali. Ou même, vous voulez paraître comme Fédération de Russie, l'écraser la Fédération de Russie.
ou vin gen la Lettonie, la Lituanie, la Géorgie. Donc c'est fédération mal construite, mal conçue, mal réfléchie, pas qu'à durer. Parce que le pas basé son idéologie, il passait sous fait violence. Donc malheureusement, nous ne sommes plus en phase de gang. Et nous tous, nous sommes conscients qu'il y a des parties de ce territoire qui est en dehors de tout contrôle. Mais le territoire Sayo a grandi de jour en jour. Est-ce que, professeur Denisa, quand même si nous avons un chef tête pas yo, il n'y a pas de conseiller parce que y a des discours, entendez, il y a un mode d'opératoire que nous constatons. Quand même, nous remarquons que vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous n'avez pas des gens qui ont réfléchi avec vous, soit pour politique, soit pour prendre pouvoir, etc. Parce que vous avez toujours utilisé vous dans des périodes électorales. Avant de venir dans période électorale, sous vous entendez certains discours de ces chefs de gang, pas tant d'informations, les structurations de la pensée. Il y a deux choses pour regarder. Les déclarations des chefs de gang et les discours des chefs de gang. Déclaration où est monsieur Lagdis Lagdat. La abla pour abla. Mais le discours, feuille papier appli. Où est son monde qui qu'on lit bien et on baille bien structuré. Pour on a fait référence à Che Guevara. Quand on a cité non fidèle, m'a comprendre, mais on fait référence à Che Guevara. Et au mode l'organisation sociétale. Ça veut dire il y a une pensée derrière. Il y a une pensée derrière, le monde qui conseille là. Les qu'on lit. Ça veut dire l'argent. Et le plus souvent, c'est la gauche. Hein? L'argent n'a pas d'odeur. Mais non, il ne faut pas dire ça. La droite, il y a certains de droite qui sont plus forts, c'est les gauche qui sont les gauches. Là. Parce qu'on a fait la gauche, il y a un téléphone qui dit ça. Oui. Les gens prennent poche la gauche, ça, pas de mais famille, madame, ils vivent là-bas, dans la gauche caviar. La gauche caviar, oui. Ils prennent poche, ils ne parlent rien. Mais dans le pays, pas loin. Parce que Haïti, pour eux, son chai. Oui, mais ils ont soutenu gang ça. Qu'on s'en fait discours pour lui, pour arriver à quoi finalement? On clair sur ma gagne. Actuellement, très peu d'hommes et de femmes vivant en Haïti ou d'haïtiens, haïtiennes vivant en dehors d'Haïti pensent à Haïti. Très peu. Très peu. Leur Haïti à eux est leur compte en banque. Leur Haïti à eux, c'est faire l'argent. Fiaté yo, c'est du petit joual Colombia. Fiaté yo, c'est puis du petit joual manger Kentucky Fried Chicken. Yo va manger la l'eau encore. Yo va manger cassave encore. D'ailleurs, cassave fait d'un ou fait mal, fait gens si yo saigné. C'est le rejet de ce qu'Haïti. Pour non ça. Seulement, et on va gagner intérêt dans le pays. Ils sont tous locataires. Son bagage simple. Grand pile ministre en Haïti, madame Yobiti Chobala, même mon cas yo pas loué. C'est dans l'hôtel y habité. C'est dans l'hôtel y habité. Donc nous même moi plus loin. L'homme de gain 76, moi fin fait philo. J'étais de gauche pour la pensée, mais j'étais aussi m'assumer. J'étais de gauche aussi. Parce que ça te permettait de courtiser les plus belles jeunes filles de Port-au-Prince. Quand tu récitais Marx, tu citais Castro, tu citais Che Guevara, tu citais les mouvements de libération, tu paraissais un homme distingué. À ce moment, je disais, j'étais jeune, beau, riche, intelligent et sympathique. Un homme de culture. Un homme de culture. Voilà. Voilà. Et qu'on paquet n'est qui tombé dans le piège de gauche, ça. Parce que pour être à la mode de 75-76, il fallait être de gauche. Mais c'est très peu, se sont sentis inondés par cette idée de gauche. Mettez au devant, manin, tu vois, le rêve, un type de femme, j'ai blé, vague à cheveux, fête bassao. Ils ont rangé la race. Mets-toi devant steak, mais non, non, bon restaurant, ils sont heureux. Moi, j'ai vu certaines images de certaines fêtes dans de belles maisons, dans les hauteurs de Port-au-Prince. Le rare de petits négrillons qu'il y a, il faut leur voir leurs yeux. Ils sont en état de priapisme permanent. Donc, ça veut dire battre la pointe en permanence. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, pendant qu'on est en fête là. Et ou après, quand on abeille,
Mm. Il a butiné pour avoir le plus de souvenirs photo avec M. Intel. Il va se mettre un coup. Mais là, au bas du pouvoir, M. Intel va répondre au téléphone encore, non? Et ils s'attendent à tout. Et ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Ils ont fait l'école, il y a l'école nationale. Il y a même l'école privée ici à New Baladon. Pour vous, lycée français, Union School, pour financer, pour fréquenter une catégorie sociale donnée. Pour ça, des misères. Alors voilà, tu vois, nous faut nous poser problème de tout pour nous faire crise là. Même moi-même, Madou. Vous connaissez, on a fait émission, mais vous connaissez, moi-même, vous avez fait un Madou rapide parce que je n'ai pas une réponse. L'homme est en forme pour ou pas. Ne qui devine, ou pas on est qui gagne en main une baguette magique. Mais en plus, le monde fait confiance à l'analyse ou à la lecture et parole ou dit. Pour le moment, j'aime tendre sur l'assassinat de Jovenel. Et l'aime t'invite au lame, pas de ça, mais j'ai cette question que je dois poser. Qui ça ou comprendre? Dans l'assassinat de Jovenel. Deux minutes pour me faire une mise en perspective. Vas-y. De mes rapports avec Jovenel. Vas-y. J'ai connu quatre Jovenel. Jovenel, mon étudiant à l'université Kiskia. Cet étudiant qui est devenu mon ami. Et cet ami qui, à un moment, m'appelait papa. Et en 2013, Jovenel, mon fils, est entré dans la galaxie politique Michel Martelly. Et j'ai acheté un radar, j'ai essayé de poser un GPS, j'ai acheté la lunette Hubble et je ne l'ai jamais vue. Jusqu'à sa désignation en tant que candidat à la présidence. Il a envoyé quelqu'un auprès de moi. Description imaginaire. En 2015, où il se projetait comme candidat au Sénat dans le département du Nord-Est. Mais depuis le 2 janvier 2015, pas quitté M. Lalo Capécrissé dans plage, il a désigné Jovenel Moïse comme candidat. Dès le 2 janvier 2015, jour des aïeux. Réception à Péguyville, à la résidence du président Michael ou Michel Maronet, Martelly. Tous deux, c'est même non? On célébrait, on sabrait le champagne pour dire que M. Kaouli était le candidat. Et Michel Martelly a appelé Jovenel Moïse sous l'arbre du voyageur, Pierre-Bois Gviré, pour être bon. Bois Piscine. Il dit qu'il y a imbécile là. Nous avons pour choisir un candidat, c'est Sam d'après Jovenel ou candidat à la présidence. Je lui ai dit ça en face le 17 janvier 2015, quand il est venu me présenter cette félicitation, parce que tout le monde savait que j'allais être le ministre de l'Éducation quand Evans Paul était premier ministre. Il s'est battu, il n'a pas réussi. Merci quand même, Evans. Oui. Compliment à toi, Evans. De Welly, il me dit ça, il dit c'est pas vrai. À la fin, regardez mes dîmes qu'on apprendre ça. C'est son nez qui tend dedans, vulgairement, hein? Pipi qui est belle. La pipi est pipi, on peut le mettre dans le sein pour le faire belle. On peut le tuer là, il faut faire, il faut opposer. Les pipi viennent trop chaud, ou qu'on le camarade dans ma télé, ou pas qu'on traîne dans le canon pour le pipi. Non, pas qu'on. C'est dans la toilette, bois piscine dans le pipi. L'île en longue, monsieur a le caché, dans le rage, en papier bois pour le pipi. L'élevé Matéli a privé qu'on Matéli m'a élevé pour le faire. Vous ne pas jouer. Monsieur Bessé, vous le pissez que qu'on fombe au Bawel. Et il a entendu cette phrase. Le Michel dit Jovenel, c'est au candidat. Vous rapportez ça, me dit ça le 17, que dit Mkoto apprend ça. Donc c'était une farce, cette histoire. L'affaire de Kaoli. C'est simplement pour le faire connaître. Ça, voilà. Les quatre. Et après le dernier, c'est quatrième moment. Cinquième moment, il a été élu président. Mais entre-temps, j'avais dit, et je l'assume, et ma prémettelle, mieux vaut avoir l'original que d'avoir une photocopie. Parce que... Sois clair. Je ne voyais pas comment que Jovenel Moïse allait pouvoir être président à cette camarade
cet esprit clanique autour de Michel Martelly. En Inde, dernier cas social dans les Dalits, Jovenel était un Dalit, le pestiféré des pestiférés dans l'environnement de Michel Martelly. Là, puis voilà, quand on est un papaye, Jovenel Moïse a eu un rendez-vous avec un homme d'affaires. Il a eu un rapport avec les pilotes d'affaires d'Elco. Il a fait le lien. Oui, fait le. Madame Mouna, reine de beauté, virée. Il dit, monsieur, ça fait longtemps que nous avons fait le bonheur, nous faisons vite. À qui ça parlait? Mon cher côté de l'Andine, tu sais très bien que c'est Jovenel. Oui, dis-moi qu'on c'est lui. Mon petit pays, il dit, il faut faire le bonheur, il faut le Je viens dans la réception, quand on quitte l'hôtel, pas loin là, tout est, bon place pour ailleurs, puis devant. Martine Moïse a pris un verre de vin rouge. Madame Nègle paraît ton soir à glace, tu dis quoi, mon pas habitué avec du vin rouge, tu mets 2-3 glaces pour parce que le gars doit pas bonne température pour vous. Oh, Marie, Martine Moïse est une femme raffinée. Qui compte manger à table et compte sacrer l'on verre rouge. Il a subi tout ça. Le 16 mars 2016, vous écoutez 107.7 FM. Jovenel Moïse m'a fait chercher. Mal dans le bureau là, en face, Caribbean Market. Je dis le bon condition. 9h, c'est 9h, pas venir en route. C'est là, monsieur, t'as un QGL. QGL. Deuxièmement, je ne peux pas la voir si c'est là. Nous étions deux. La conversation a fini. Je dis Jovenel, est-ce que Martine n'a pas ce pour le dire oui? Je dis le bon visa, il dit oui. Et je dis Timounio, il dit oui. Je dis, moi, conseil, où? Dans 2 jours. Acheter 3 billets d'avion. Yo pour chaque timounio, yo pour madame. Après 3 jours du matin, la timounio nous sommes d'achat fréquenté. La gécola te bat. Vers 9h du matin, donc on prend dernier vol pour le Miami pour aller rejoindre madame l'hôpital. Debout de baquer dans l'avion, chérie, passe pour moi l'asile politique. Parce qu'il y a physio. Le pouvoir de Martelly est basé sur un esprit clanique. Immédiatement que tu n'es pas du clan, il faut remarquer où. Le cercle rapproché de Martelly n'a jamais accepté Jovenel. Oui, on le sait. Et Jovenel n'a jamais eu le courage de se mettre debout face. Moi-même, seul ministre que je connais Jovenel nommé dans le gouvernement, c'est le dernier ministre de la Défense, M. Dorneval. Tous les ministres ont été imposés. Et pour l'histoire, le lundi avant la présentation devant le Parlement, Jovenel a demandé à quelqu'un, Bolakayou, où est-ce qui est? Oui. À le chercher Premier ministre Lafontaine pour lui. Nègle arrivé dans la clinique là, il dit Premier ministre, président besoin d'urgence d'une côté là. Monsieur sorti la tenue, il dit le temps. Quoi, monsieur, a un cortège là, pour la sortir dans la clinique là, pour le caméner la sirène rapide dans la panne. Après 20 minutes, Jacques dit la fontaine pas sorti. Monsieur arrivé, monsieur dit Premier ministre, oubliez, le président apte nous. Ça, il n'y a pas qu'à attendre là. Jacques dit la fontaine. Jacques dit la fontaine. Donc ça veut dire que Jovenel Moïse n'était pas son président. Que j'ai rencontré par la suite, la première fois en 2018, après les émeutes de la faim, Jovenel Moïse. Makola. Je lui ai parlé de absolument. L'oligarchie. Comme demande d'avoir une baille d'oligarchie, m'appelait Louni. Oligarchie sont classe dirigeante qui assurait tout le temps des articulations sociales, politiques et culturelles. Et des articulations, ça, c'est pas lui qui décide le pour contre lui. C'est international dans le coup de oligarchien fait tout ça capable pour amener la majorité peuple non vision traditionnaliste, non yin-yang, non yunra ilot, nous depuis nan gine nek nek pavle ou nek. Parce que c'est ça qui permet li, chita pour voir ce nom. Et dans le pays qui pauvre, oligarchien corrompt, corrodé, acheté, apprivoisé, piratisé, ni l'État, ni l'Église. Faut une clé sur ça. Donc, merci, Jovenel... Wilkinson Seffer. Il a baptisé l'émission, l'émission du siècle. Les gens. Ah bon. Merci. Even et Jovenel Moïse, on l'a forcé à abandonner tous ses amis. Jovenel Moïse était un universitaire. Il n'a pas terminé. Il manquait 2 cours pour avoir sa licence en éducation. Faut pas dire le bagage à l'école. C'est menti. Martine avait fait le choix de faire l'interprétariat sur 2 ans. Elle a son diplôme. Scoop. Et Jovenel gagnait sa vie comme mécanicien. Diplômé du Canada haïtien 3 ans. Brillant mécanicien.
Mais Jovenel n'était pas du Sérail. Du Sérail. C'est, il était un Dalit dans le sens, il était un pestiféré. Le dernier monde pour qui arrivé là. Et, pas oublier, en 2015, Jovenel Moïse n'a jamais géré le fonds de campagne. C'est quoi, Biobali? Il met de gaz pour lui. Parce que comme il était trop belle, il n'y a pas de cabalil. Il n'y a pas de cabalil. Est-ce que Michel Martelly croyait en Jovenel Moïse? J'en doute. La grande erreur de Jovenel Moïse qui conduit à la mort brutale, genre, c'est parce qu'il n'a pas appris le sens de l'histoire. Il aurait dû être Nectiwavla. Le président, après 44-45, t'es venu empereur. Soulouk. Les légumes rendent compte pour mettre politique de doublure là. Les frères Adouin Aloué Soulouk, ils étaient son hamac. Ils disent, monsieur, pas comme ça, non. Si nous ne pouvons vous prendre, je prends et je mange. Jovenel, malheureusement, s'est laissé envahir par ces requins, par ces piranhas. Pas même requins, piranhas. Le requin chasse quand il a faim. Le piranha tue pour le plaisir de tuer. Or, nous avons une oligarchie qui doit se comparer à des piranhas, à des flibustiers. Ils n'ont aucune attache à rien. Aucune attache à rien. Ils n'ont aucun lien organique avec ce pays. Ils n'ont aucun lien organique avec quiconque. Le seul lien organique, c'est de compter leurs millions. Et de penser qu'ils sont, or ils ne sont pas. Parce que dans la hiérarchie millions, ou pas qu'arriver certains côtés à l'étranger, parce que ils n'ont pas ouvert porte pour vous. Il y a des clubs Miami, il faut payer 1 million de dollars, 2 millions de dollars pour même. Si 5 millions font en Haïti, ils sont riches en Haïti, mais les clubs Miami sont pauvres, vous voyez. Et on tout résout le problème, ça, Gary. Qui pourrait? Avec Olorique, là. Jean-Jacques Cacao, en 43, t'es dit, Milat qui pauvre, c'est Negnoué qui riche, c'est Milat. Quel que soit couleur épidémique, là, quelle que soit religion, hein, homme d'affaires en Haïti, homme politique en Iran, en Haïti, sont des piranhas. Tous. Ils ont utilisé, actuellement, ils ont utilisé des problématiques couleurs, mais là, on y a compte, c'est dans les gros hôtels de Pétionville, ils mangent gratis, dans le buffet chaque jour. Pas grand pile l'hôtel, pas tout près, c'est un buffet. Nous adorons le L chaud. Jovenel n'a pas compris, il a abandonné tous ses amis. Jovenel n'a jamais fait appel à un de ses professeurs. Jovenel a abandonné, on est qui gourmet avec elle. Lucénius, hôtel Montjoli. Il a abandonné à Ben André, il a abandonné tout le monde. Pas qu'on professeur, t'es chez moi, bon Jovenel. Ou fait 3 ans technique Canada, ou fait 4 ans qu'est-ce qu'il y a fréquenté professeur, aimable. Donc Jovenel a fouillé sa tombe. Jovenel a eu une ascension tellement rapide, il est venu en fusée. Il va venir la boule du feu du Nord, c'est peut-être non, il est venu en fusée. Fusée d'or. Fusée d'or, et le casel. Et il me semble, ça je le dis pour la première fois, il me semble qu'il n'a pas aidé par sa distinguée épouse. Les deux sont arrivés au pouvoir meurtris de ces gestes de Mpapalo d'ailleurs. Oui. Ils ont pris nos engrenages, ils ont subi la honte, ils ont bu le calice jusqu'à la lit. Leur arrivée, ils ont attaqué, ils ont frappé sans distinction. J'ai connu Jovenel honnête. Ils ont dit qu'il était dans le droit. Parce que moi-même, Jovenel était dans une usine à glace pour le faire bord de paix. Comme il était bruit que ça était dans le droit, Jovenel était dit le pape faire comme travail, comme mécanicien spécialisé. C'est moi, Martin Terelem, dit Jovenel. Si vous ne faites pas contrat, prends madame ou prends petit tour, faites qu'il y ait au de paix pour vous vendre votre prince. Parce qu'on a des feedback là. Quand on a été faire le contrat, c'est moi qui prends quoi là. C'est moi qui fais des rôles. Là, me dit, monsieur, mais balance profil, monsieur, me fais soir, je n'ai pas besoin. C'est-à-dire, avant le pouvoir, ou t'es connu pouvoir. Ou t'es connu négoune. Écoute, j'étais son conseiller au niveau de la chambre de commerce. J'étais tout. Je faisais les provinces avec Jovenel de les rencontres avec la chambre de commerce. Il faut rendre hommage à Jovenel Moïse. Si chambre de commerce arrive à un niveau ça et un professeur arrive à un niveau ça, c'est grâce à Jovenel Moïse. Il avait cette plantation de bananes.
sous 8,5 carotte, un droit. Est-ce que c'est vrai que tu as un email qu'on m'a dévoué dans le centre de commerce pour te parler de Tinek Noir ça? Combien de fois? Oui, on est capable d'en pile dans la radio cette année. Ah! Ouf. Qui fut président aussi? Ah, ok. Et la scène s'était déroulée à Jacques Mel. À Jacques Mel. J'étais là. Tinek Noir. Ouais. Il avait ses défauts, qu'il n'en a pas. Mais c'est la même chose. Faisons un peu d'histoire, Gary. Moi, non, mais ça. On a les noms. Si t'as eu. Ou des journalistes. Tu as rencontré Jean-Bertrand Aristide en campagne en 90. Oui, bien sûr. Tu l'as rencontré après avoir gagné les élections. Bien sûr. Tu l'as rencontré après avoir prêté serment. Et après. Tu l'as rencontré après son départ. Tu l'as rencontré aussi après son arrivée. Et est-ce le même homme qui avait voyagé? Non. Ah non? Non, non. Oh, mon nègre a mis le costume 15 000. 15 000 autres chobibilles, c'est même pas qu'un an. Combien de femmes mariées pour lesquelles Martine a fait des scènes de jalousie? Ah. Avec la reconnaissance de leur mari, le président.